Questa collezione è stata iniziata durante il lockdown. Già sapevamo di non poter fare un reale show, per cui è stato chiaro che dovevamo dirigere la mia creatività e quella del mio team a un modo nuovo di vedere. L'idea di base è stata quella di provare a creare una vera collezione, ma in scala. Abbiamo usato dei manichini alti 40 centimetri. Celui-ci, c'est une cape. Il y a plusieurs étages de construction. On a réalisé le petit d'abord, un petit peu de tulle et ça tenait tout seul. Mais par contre, quand on doit faire la même chose pour le grand, c'est difficile. On a fait plusieurs recherches au niveau de godet, au niveau de plissé. Quand on regarde le profil, ça fait des zigzags, c'est des plissés debout. Quand ça fait des Z, c'est des plissés plats. Possiamo dire che in realtà sono delle miniature che hanno richiesto una cura quasi maniacale, dove le gonne, le giacche, le fodere è come un reale capo di haute couture. Ça c'est une femme tailleur par et drapée. Pour draper cette veste, on partit du milieu devant en droit fil lisière. Après, on commence à draper d'abord la taille. On fixe la taille avec la basque pour sa partie en zéro. Ça c'est le plus important. C'est un éventail des années 20 qui donne une idée à Maria Grazia et en voyant ça, elle s'est dit « Oh, une jupe plissée !» Questo abito è un abito che parte con un corpetto ricamato ispirato a un bosco fantastico ed è fatto con un ricamo di microperline con diverse tonalità di verdi. C'est identique que la taille réelle. Tous les détails, tout reproportionné. On a utilisé les deux couleurs de mousseline incrustées de motifs. Donc si je vous montre comme ça, ça fait vraiment une fleur qui l'ouvre. On coupe des bandes de biais. Ces bandes de biais, on les assemble, on les retourne. Et une fois que la bande de biais est retournée, ça devient ça. On les étire au fer et après on vient la broder directement sur le plan de broderie. La robe est dans un lamé, un vert de gris. Et les petits billets qu'on retrouve sur le corsage et les manches, c'est le même tissu en micro-spaghetti. Déjà rien que pour faire les spaghettis, il faut avoir des mains de fée. Il y a deux techniques sur cette robe. Celle-ci, c'était plissé plat soleil. Et puis le haut, c'était drapé, mais en style un peu soleillé. Comme ça, c'est bien travaillé ensemble. Bien sûr, dans le niveau du drapé, pour qu'on voit le grand, il faut que ça rende la même proportion. Il faut que j'ai presque le même nombre de drapés. Du coup, celui-là, c'était sculpté, c'était pas drapé naturellement. C'est une robe de bal. On a l'impression qu'on a tiré juste un fil à la taille. Et après, ça crée cette sensation de la taille qui est très marquée. Le départ, Maria Grazia, elle voudrait on fait des plissés tuyaux d'orgue. C'est des trois étages de construction. Et là, on a l'impression la robe qui tient absolument tout seul. Donc ça, c'est vraiment le typique Monsieur Dior. Mais revisité par Maria Grazia, bien sûr. Le petit format, c'est un tiers de taille, en fait, de grand format. C'est un peu comme jouer à un jeu, en fait. Chaque millimètre compte parce que vous devez multiplier par 3. On aura deux fois ça, deux fois 9 mètres. Les tours d'emmanchure sont beaucoup plus petits. Le problème avec une miniature, c'est qu'il faut être vraiment très précis. Tout ce qui n'est pas juste saute aux yeux, justement.